Traitement contre les varices Les varices peuvent apparaître à tout âge. Elles sont plus fréquentes à partir de 40 ans et chez les femmes, mais les hommes peuvent aussi en souffrir. Il n'y a pas d'âge spécifique pour avoir des varices. Bien qu'elles soient plus récurrentes chez les femmes entre 40 et 50 ans, certains hommes en présentent également. Que sont les varices Les vaisseaux sanguins qui apparaissent irrégulièrement et se dilatent lorsque les parois sont faibles s'appellent des varices. Ce sont des grappes de veines au ton vert, bleu et violet. Certaines sont même entourées de capillaires très fins et rouges, communément appelés veines araignées. Les varices et les varicosités peuvent apparaître n'importe où sur le corps. Cependant, elles sont très communes sur les jambes et la région pelvienne. Symptômes ⁇ Inflammation veine bleue, violette et verte très marquée, crampe aux jambes, douleur derrière le genou, démangeaisons autour de la veine, fatiguules, sertons brun sur la peau. Pourquoi se forment-elles Elles Elle naissent lorsque les veines saines deviennent enflammées et font stagner le sang. Le sang utilise normalement la veine pour se transporter jusqu'au haut cœur. Cependant, la cause exacte pour laquelle il reste stagnant est inconnue. Bien qu'il existe plusieurs facteurs qui augmentent cette probabilité, héritage génétique, grossesse, obésité, changements hormonaux ou rester debout pendant de longues périodes, porter des vêtements trop serrés, diagnostic si vous présentez certains symptômes ci-dessus, il est préférable de consulter un spécialiste. Il effectuera un examen physique par la suite, une échographie est nécessaire, ce qui aidera à vérifier l'état du sang et la façon dont il circule. L'échographie permet l'analyse des veines superficielles et profondes. Heureusement, toutes les varices ne nécessitent pas de traitement médical. Cela tant qu'elles ne vous empêchent pas de réaliser vos activités quotidiennes. Vous devrez vous inquiéter quand, vous ne pouvez plus marcher ou rester debout, des ulcères apparaissent, les pieds et chevilles s'enflamment. Il convient de noter que la question des ulcères est délicate, car il est possible que les ulcères veineux se développent par stase, c'est-à-dire lorsque les veines s'élargissent et ne se drainent pas normalement. Le problème est que lorsque cela se produit, la peau ne reçoit pas d'oxygène et, par conséquent, éclate sous la forme de plaies. De même, l'apparition d'une phlébite inflammation de la veine, et d'une thrombose, caillot dans les veines, est possible. Traitement des varices, l'un des traitements les plus courants et qui n'implique aucune intervention chirurgicale est la sclérothérapie. Elle consiste en l'application d'une solution saline qui provoque l'effondrement des veines. C'est-à-dire qu'une fois le sang coincé dans la veine, celui-ci ne fonctionne plus et l'injection le fait disparaître. Mais qu'en est-il du sang? Le travail de transport vers le cœur est naturellement transféré vers les vaisseaux sanguins les plus proches et en bonne santé. Par conséquent, la circulation revient à son cycle normal. Cependant, le processus de guérison avec sclérothérapie nécessite plusieurs séances, car en moyenne, trois injections sont nécessaires pour guérir chaque veine. Comment ça marche Dans une session, jusqu'à 40 veines peuvent être traitées. Par la suite, un traitement de 4 à 6 semaines est nécessaire pour leur guérison, l'utilisation de chaussettes avec soutien est recommandée. Pendant ce temps, le reste des veines peut être traité, mais jamais la même veine en deux séances continues. Qu'est-ce que l'on ressent Il est clair qu'au début la sensation est inconfortable car vous avez la sensation de petites piqûres semblables à celles d'une aiguille. Certaines personnes présenteront ces effets secondaires, légère inflammation, contusion, démangeaison, rougeur, douleur. Il est recommandé d'effectuer une activité physique de façon modérée pour accélérer le processus de récupération. La bonne nouvelle est que les veines traitées disparaissent en 6 mois. Il est important de souligner que la sclérothérapie n'empêche pas l'apparition de nouvelles veines, elle élimine seulement celles qui sont déjà endommagées. Y a-t-il d'autres options? Parmi les différents traitements, les suivants se distinguent. Application de lumière intense et pulsée. Il faut entre un et six traitements. La thérapie au laser, indiquée pour les petits vaisseaux sanguins du visage et des jambes. Ligature, c'est une intervention chirurgicale dans laquelle les veines sont enlevées ou attachées au moyen d'une incision dans la peau. Utilisation d'un dispositif radiofréquence relié par un cathéter à la valve de la veine pour l'obturer. Comment prévenir les varices? Ne vous exposez pas au soleil pendant de longues périodes. Il est également recommandé de garder les jambes élevées pendant quelques minutes avant de dormir. De plus, si vous passez beaucoup de temps debout, il est conseillé de s'arrêter toutes les deux heures et de vous étirer. Utilisez des bas de contention ou des chaussettes avec un support élastique. Prenez un régime équilibré pour contrôler le poids. Évitez également la consommation de boissons alcoolisées et de cigarettes. Soyez prudent avec les changements soudains de température. Effectuez une activité physique au moins trois fois par semaine, pendant 30 minutes. L'utilisation de bas n'est également pas recommandée. Évitez aussi de croiser les jambes en position assise.